À ce stade de collecte et de remontée des informations sur le terrain, nos premiers constats sont faits sur un échantillon de 1902 bureaux de vote répartis dans tout le pays. Ouverture des bureaux de vote. 91% des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. 8,52% des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Présence des membres des bureaux de vote à l'ouverture. 99,16% des présidents étaient présents, dont 12,83% sont des femmes. 96,71% des autres membres étaient présents, dont 32,8% sont des femmes. La disponibilité des matériels électoraux à l'ouverture des bureaux. Isoloir, 99,37%. Urne transparente, 99,58%. Encre indélébile, 98,21%. Liste d'émargement, 98,63%. Bulletin de vote, 99,5%. Enveloppe, 99,47%. Incident. À ce niveau de l'observation, le RDP relève l'expulsion des observateurs de la société civile dans certaines localités, notamment à Saraboido et Sambailo dans Koundara par les sous-préfets, à Singbayagar dans Ratoma par le président du bureau de vote Bogar 3 et à Poya dans le quartier CBA 6. L'empêchement de l'installation de bureaux de vote dans le district de Kola, dans la sous-préfecture de Mankoutang, préfecture de Bofat. Le manque et l'insuffisance de matériels électoraux par endroit, notamment au centre logé à l'école primaire Bonfils-Marché et au lycée Collet de Sonfonia. Bureau de vote, école primaire Saïkoubalde, quartier Dakar 2, commune urbaine de Labi. Kaloum, à l'école primaire Gare, bureau de vote numéro 1 et 3. Lola, commune urbaine. Théabo, bureau de vote 1, 2 et 3. Flyapo, bureau de vote 1, 2 et 3. Oroyapo, bureau de vote 2. L'absence des agents de l'UCEL dans certains centres de vote, notamment à Kindia, quartier Yiwele, dans le bureau de vote au Almamia Plateau 2. Centre de Concola à Labé. Le refus et le surnombre de délégués des partis politiques par endroit. Le RDP exprime sa reconnaissance à la Maison d'observation des Nations Unies, de l'Union africaine pour lui avoir rendu visite et se félicite de sa rencontre avec la CENI, surtout de sa bonne disposition à prendre les mesures nécessaires afin de corriger les insuffisances relevées. À ce stade de notre observation de 8h à 12h, en dépit des incidents cités plus haut, le RDP note que sur l'ensemble du territoire, les opérations de vote se déroulent normalement. À cet effet, le RDP invite les administrateurs territoriaux, les démembrements de la CENI, les membres des bureaux de vote et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus au respect strict des textes et bonnes pratiques électorales. La collecte d'informations sur le déroulement et la participation des électeurs se poursuit dans l'ensemble des bureaux de vote ouverts et fera l'objet d'une déclaration dans la soirée. Que la paix et la protection de Dieu accompagnent notre pays.